Ah oui, il est beau. Il y a encore presque plus d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Encore fait tomber.
contre lui. Vous avez dû vous demander pourquoi j'étais en train de casser des cailloux. J'ai cassé des cailloux parce qu'en fait j'avais très très envie de tester une technique de peinture à base justement de terre, de cailloux. Et je vous montre donc le résultat. Le résultat, donc on est dans de l'art abstrait, hein, on n'est pas du tout dans ce dont vous avez l'habitude de me voir. Mais voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, je trouve ça assez extraordinaire justement. Ces différences de texture, j'adore travailler ça. Les différences de texture, le jeu justement des couleurs sur la matière. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc là, c'est un petit tableau hein, sur lequel je me suis essayée. C'est le deuxième. J'en ai fait un juste avant que je vous ai montré sur Instagram, mais j'arrive pas à être satisfaite de ce premier résultat. Par contre, je suis très très satisfaite du deuxième. Alors j'avais envie de mettre un petit peu de doré aussi sur cette peinture-là. Voilà, d'accentuer avec des couches de doré. Il va falloir que je mette un petit peu plus de blanc aussi pour rattraper. Faire ce jeu de contraste entre noir et blanc. Et donc j'ai utilisé pour cette peinture alors la fameuse peinture au caillou hein, que vous avez vu, que j'ai écrasé. Vous le retrouvez ici pour le noir. Vous retrouvez aussi dans du blanc, même si le blanc je l'ai mélangé aussi pour certaines parties, parce que vous voyez des parties qui sont plus floues. Les parties plus floues, je les ai laissées avec la peinture blanche, la peinture au caillou blanche. Pour la peinture un petit peu plus peps, où on voit plus le blanc, je l'ai mélangé avec de l'acrylique, parce que je travaille beaucoup à l'acrylique. Et ce que vous voyez aussi ici en bas, c'est carrément de la terre crue que j'ai mis dessus. C'est de la terre que j'ai fait écailler, que j'ai fait sauter, justement pour qu'on puisse voir la terre, les morceaux de terre en dessous. En fait, ça donne un contraste de dingue sur la peinture. Je trouve ça super, super beau. Voilà. Voilà, voilà. Non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je n'ai pas cassé des cailloux juste pour le plaisir. Il y avait cette envie en plus de revenir à la terre, d'utiliser des matériaux... des matériaux de la naturelle aussi, de la terre. Cette partie-là, je l'ai faite avec les mains, donc d'aller étaler la peinture, de travailler vraiment comme ça avec la peinture, c'est un vrai régal. Donc voilà, je suis super contente en fait du résultat hein, de cette toile-là. Je vais encore accentuer un petit peu, reprendre des couleurs un petit peu plus terre comme ça, ici sur le fond, ici aussi en haut. Ne pas rester que sur du doré. Donc voilà, je vais faire un petit peu tout ça.
Coucou les amis, on se retrouve à mon bureau pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, il y a cette illustration-là que je voudrais vous montrer. Alors, vous connaissez déjà celle-ci, c'est celle qui va faire partie du jeu le Merry Christmas. Et vous saviez, j'avais très envie justement de faire une tasse avec cette illustration, mais pour ça, je voulais la compléter pour faire vraiment en fait tout le tour de la tasse avec donc cette souris-là. Donc ça, je vous en reparle juste après. Mais en parlant du Merry Christmas, ta-ta-ta-ta, voilà le prototype du jeu. Alors je dis bien que c'est le prototype parce que ce que vous allez voir là aura un petit peu changé. Voilà, donc vous avez une boîte comme ceci avec une belle gravure rouge hein, qui sera un petit peu plus grosse d'ailleurs ici. Le dos, français-anglais toujours. Et voilà le devant, c'est pareil, l'écriture sera un poil plus grande. Et vous avez un petit loquet, comme ceci, pour ouvrir la boîte. Vous retrouvez une clé à l'intérieur et vous retrouvez la maison, la boule à neige maison que j'adore. Voilà donc la clé que j'aimerais vraiment avoir le temps de faire en pins. Et surtout, il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez ici, on a un effet rouge mat foncé, voilà, du bordeaux foncé. Et en fait, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Moi, je voulais du rouge brillant. Donc, mon imprimeur, en fait, m'a envoyé une feuille de rouge brillant en me disant, bah, faites le test, collez-le dessus. Est-ce que vous voulez vraiment ça ou est-ce qu'on reste sur du mat? Donc, j'ai collé le rouge brillant dessus. La classe. C'est quand même super beau. Ça égaye énormément le jeu. Vous voyez, là, ça fait un petit peu plus foncé. Voilà, on a moins l'effet Noël. Je me suis dit, c'est Noël, faisons-nous plaisir, allons-y. Donc on a le rouge brillant qui va être repris partout. Et surtout ce rouge brillant, il va être magnifique parce qu'en fait il reflète. Vous voyez, vous avez le reflet de l'illustration, donc vous aurez le reflet des cartes, de l'illustration et tout partout. Ça va être hyper beau. Voilà, je vous montre ça, donc ça va faire très Noël. Et on avait fait les petites cartes, donc d'ailleurs voilà, vous retrouvez les souris ici. On avait fait les petites cartes au format Le Normand. Et ça, on a beaucoup, beaucoup hésité avec Claire. Vous voyez, là, on avait la boîte. Donc, il y a en plus le livret, hein, mais que j'ai pas fait imprimer parce que ça, le livret, il n'y avait pas de complexité, de choses à retravailler. Bon, c'était un livret, c'est quand même assez simple. Une fois qu'on le voit sur l'ordinateur, on sait ce que ça va rendre. Donc, il n'y avait pas ce côté, qu'est-ce que ça va donner avec les dorures ou le rouge. Donc au final, voilà, je ne l'ai pas fait imprimer, mais la boîte est assez grande, bien sûr, pour avoir le livret. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas qu'un Le Normand, c'est un oracle. Claire a vraiment travaillé le livret de sorte qu'on puisse l'utiliser soit comme un Le Normand, soit comme un oracle. Ce qui fait que ça nous a fait nous poser des questions sur la taille des cartes. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram. Vous étiez à peu près 45-55 en faveur des petites cartes. Mais j'avoue que pour cette première édition, en fait, on va faire les cartes légèrement plus grandes. On va faire les cartes de la taille un petit peu du Sweet Ladies. Donc, pas énormément plus grandes. Tiens, d'ailleurs, je me demande si... Voilà. Vous savez ce jeu sur les papillons dont je vous ai plusieurs fois parlé. Hop, on va faire les cartes à peu près de la même taille. Donc, je vais vous les mettre pour comparaison. Hop là. Voilà, donc vous aurez 1,5 cm. Je pense qu'il me semble que c'est 1 cm et 1,5 cm de plus. Donc peut-être légèrement plus petite, à peine plus petite que celle-là, mais plus grande que celle-ci, pour avoir le format un petit peu plus oracle et marquer en fait cette particularité du jeu qui peut être utilisée aussi comme un oracle. Il y a une autre particularité dans ce jeu, c'est que je vous ai fait des tranches de couleurs. Mais attention, pas de n'importe quelle couleur mes amis. Je les ai fait de ce rouge-là brillant. Et j'avais déjà des cartes avec du rouge comme ça brillant. Et c'est une pure beauté. Le problème, comme d'habitude avec les tranches, c'est de savoir si ça va être bien fait et si ça va tenir dans le temps. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ma peur. Mais je me suis dit, pour cette première édition, on va faire vraiment un coffret de luxe avec du brillant ici, du brillant, du rouge brillant sur les tranches. Donc là, j'ai bien vu la technique avec l'imprimeur. Et puis, bah, c'est Noël.
Alors, on s'en donne à cœur joie, on fait des tranches qui changent, on n'a pas peur d'en mettre. Voilà, on n'a pas peur d'en mettre, mais j'ai pas voulu non plus trop en mettre partout. Donc le dos, pour cette fois-ci, n'aura pas de dorure ou de gravure. Voilà, il sera assez sobre. Alors là, il y a une couleur un peu jaune du vert, alors que le vert est plutôt dans les tons de bleu. Je sais pas si je peux vous le montrer, peut-être au soleil. Non, ça fait toujours très vert. C'est un vert bleuté en réalité, hein. Donc je pense que là, l'image de la caméra ne rend pas justice au vert bleuté. Si je me décale un petit peu, vous le voyez peut-être un peu mieux. Et donc on va avoir ces cartes-là. Donc toutes les cartes ont été renommées en fonction justement du thème de Noël. Le trèfle en houx. Vive le vent pour le bateau. Le chalet pour la maison. Le sapin pour l'arbre, évidemment. Bon, les nuages restent les nuages, c'est les nuages d'hiver. Le ballotin de chocolat pour le serpent. Ça, j'ai trouvé ça juste génial. La bougie pour le cercueil. Le cadeau. Voilà, donc c'est des cartes que vous connaissez déjà puisque je les ai créées avec vous. Je vous ai montré leur création. Peut-être pas de toutes. Il y en a beaucoup que j'ai postées aussi sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir vraiment les images une par une, vous pouvez aller voir là-bas. J'adore celle-là. Oh, je la trouve super belle. Et celle-ci aussi. Alors celle-ci, je vais vous la faire en carte postale. C'est sûr que pour Noël, je vous la fais en carte postale. Et j'hésite même à faire quelques versions grand format en numéroté signé. Vraiment en édition très très limitée. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'ai toujours un peu peur de me lancer dans des nouveaux projets, produits, pas des nouveaux projets, mais des nouveaux produits, à me dire bah après, si jamais ça vous plaît pas, bon. La pomme d'amour pour le cœur, super bien trouvée. Claire, elle a vraiment eu une idée, des idées géniales. La lettre, celle-ci aussi, je pense que je vais vous la faire en carte postale. Donc en fait, ce que je pensais vous faire en carte postale, d'ailleurs, je vais vous les montrer. Peut-être celle-là aussi, la rose de Noël. La clé, les poissons et la croix et l'encre. Puis bon, comme d'habitude, hein, vous aurez les petits mots-clés évidemment en plus du livret. Alors pour les cartes de Noël, j'hésitais à vous faire celle de la clé. Je vais en faire plusieurs, hein, mais. Après, j'ai du mal toujours à sélectionner, j'ai envie d'en faire plein. Alors, j'hésitais avec celle de Noël, la clé, pardon, de Noël, les roses de Noël. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup, la couronne de l'Avent. Alors, celle-là, la lettre au Père Noël, forcément, pour aller sur une carte postale, je vais automatiquement vous la faire. Celle-ci, c'est sûr aussi, parce que bah, elle vaut vraiment le coup d'être vue en carte. Bon, le chien, je l'adore, hein, ce Saint-Bernard, mais je me dis que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, mettez-moi votre avis, si vous avez une préférence. J'avais aussi envie, bien sûr, de vous faire les petites souris que j'adore. Les petites souris, de toute façon, je vais les faire parce que moi, je les adore. Aussi. Mais voilà, donc j'étais vraiment partie sur les souris. Notre-Dame. Et celle-ci, ça c'était sûr. Et j'ai hésité un petit peu plus. Alors je pense que je ferai la clé également. Parce que j'aime beaucoup l'illustration. Je la trouve bien équilibrée avec ces boules de Noël un petit peu partout. Voilà. J'hésitais plus pour ces deux-là. J'hésitais plus pour ces deux-là. Et celle-ci qui, même si moi c'est une de mes préférées, je me dis que ça parlera peut-être pas à tout le monde non plus. Donc voilà. Je sais pas trop, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis ce qu'on va faire, c'est que, bah écoutez, on va faire la suite des petites souris ensemble. Voilà, on va peindre ensemble cette illustration-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, ça va être très compliqué. Voilà, donc il va me falloir d'ailleurs un petit papier en plus à côté pour tester les couleurs. Je vous raconte tout ça tout en la faisant. À tout de suite!
Voilà, donc on se retrouve pour l'illustration de la petite souris. Alors, ce qui est compliqué avec cette illustration de la petite souris, c'est que la première illustration que vous avez vue, qui est déjà faite, hein, date déjà d'il y a un petit moment. Et ce qui est compliqué, ça va être de retrouver exactement les mêmes couleurs pour faire une vraie continuité à cette première illustration. Donc, c'est pour ça que vous me voyez en fait sur la gauche tester toutes les couleurs. J'avais l'autre illustration de la souris juste à côté de moi. Et en fait, à chaque fois que je faisais un mélange de couleurs, par exemple pour les feuilles qui étaient un mélange de marron, de jaune et d'ocre, il fallait que je trouve exactement la même couleur pour pouvoir avoir cette fameuse continuité sur l'illustration. Voilà, c'est pareil pour la souris, je l'ai retravaillée un petit peu après aussi parce qu'au début, justement, je l'ai trop grisée. Ce qui était mignon sur cette illustration-là, mais ce qui du coup collait beaucoup moins à l'illustration originale, enfin la première illustration. Donc après, il a fallu que je travaille justement avec du blanc pour rééclairer la souris, la petite souris blanche. Ici, sur cette partie justement des fleurs, certaines fleurs les grosses sont en orange sur la première illustration et un petit peu plus vertes en fait au fur et à mesure qu'on monte les illustrations, qu'on monte le que les pardon que les que les que les fleurs pardon deviennent un petit peu plus petites. Donc c'est pareil, il a fallu retrouver un petit peu ces tonalités. Au début j'avais mis trop de rouge, ensuite il a fallu que je revienne dessus. Donc voilà, là vous me voyez retravailler justement la fameuse souris blanche avec de l'acrylique blanc. Voilà, donc vous pouvez retravailler vos aquarelles aussi avec l'acrylique. J'ai mis également les petites touches de couleur, de lumière avec des petites pointes de blanc. Et là, je fais le contour. Je retravaille un petit peu le contour pour faire ressortir les illustrations. On appelle ça ancrer son dessin. Donc j'ancre, j'ancre, j'ancre. Voilà. Donc du coup, on y est, on avait une belle suite. J'ai pu monter cette illustration pour faire une petite tasse que j'aimerais vraiment vous montrer assez rapidement, mais j'ai pas encore le gabarit pour le faire. Et voilà le résultat. Alors sachant que j'ai un tout petit peu retravaillé encore l'illustration de la souris pour lui affiner le visage après. Donc là, vous le verrez pas, vous le verrez sur la tasse pour bien coller à la première illustration.